Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 2019. Alors, on va faire ce défi légende. Vous avez été nombreux la semaine dernière à m'envoyer des messages comme quoi vous galériez. Je vais essayer de vous donner des astuces, des tactiques, des techniques pour essayer de battre l'IA en version légende. Et ensuite, on fera un pack opening. Donc, restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour le défi légende. On va voir sur qui on va tomber. Allez, donc on va se retrouver là contre Liverpool. On va regarder ce qu'on va faire en tactique. Vous allez voir. Parce que l'ordinateur, l'IA a tendance à attaquer toujours sur les côtés. Et donc, on va essayer de mettre des petits trucs en place. Vous allez voir. Pour essayer de l'embêter un petit peu. On va déjà voir si on a de la chance. Au niveau de nos flèches, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, vous mettez vraiment la meilleure équipe possible. Là, on n'est pas là pour faire dans la dentelle, comme on dit. Donc là, on est pas mal. Au niveau des tactiques perso, on va mettre cible de centre. Ça, c'est pas mal. Pressing intégral, enlevez-le. On va mettre arrière latéral. Ça peut être pas mal. Et on va mettre un petit marquage. Alors d'habitude, je mets jamais de marquage. Mais là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, voilà. Juste sur les latéraux. Et puis, on va partir comme ça. On va voir ce que ça va donner, les mecs. Allez, donc la tactique sera à peu près la même que contre le Barça. Sauf que le Barça, eux, ils font un beaucoup plus gros pressing. Et donc, faut pas hésiter à allonger les passes. Hein. Voilà, faut pas hésiter à allonger les passes. Surtout quand on est derrière. Parce que là, le pressing, le premier pressing est très compliqué à éviter. Et là, regardez, forcément, ça passe sur le côté, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, et là, il y a danger. Là, il y a danger. Allez, faut pas se précipiter. Oh! Allez, le premier but, c'est pas grave, hein, on s'en doutait. De toute façon, l'ordi va forcément vous marquer des buts. L'intérêt, ça va être d'essayer d'en mettre le... plus que. Plus que, tout simplement... Essayez de pas trop défendre avec carré. Hein. Essayez de pas trop défendre avec carré. Parce que là, contre l'IA, le pressing à 2, souvent, c'est très compliqué. Alors, on va changer de côté. Il y a de l'espace. Voilà, c'est bien. Allez, là, il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, même si Messi, là, je sais pas ce qu'il a fait. Il n'est pas venu aider du tout. Il n'est pas venu chercher le ballon. Allez, là, encore une fois, je vous l'ai dit. Hein. Ça passe que sur les côtés, l'ordi. C'est stéréotypé. Donc les décès très importants. Faut éviter de les laisser centrer. Hein. Éviter de les laisser centrer. Parce que c'est très 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 cheaté. Très très dur à défendre. Allez, toujours 1-0 pour l'IA. On va essayer de remonter ce but. Donc on allonge. Hein. Là, en plus on a Ronaldo devant. Donc on n'hésite pas à lui mettre sur la tête. Oh là 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 là, c'est ça, vous voyez, les transitions rapides vers l'avant. Défensivement, on est pas mal. Hein. À part le but qu'on a pris, on n'a pas eu trop de chance. Mais sinon, défensivement, c'est pas mal. Les milieux qui viennent défendre. Oh là là, il est tout seul. Allez, il faut qu'on ait un petit peu plus de chance. Oh, Lionel qui se fait manger. Allez, 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 le compte favorable. Le compte favorable. Et bim! Le double rond, l'égalisation sur un bon pressing de Messi. Récupération haute. Allez, on va gratter le ballon dans les pieds de Van Dijk. Là, on part sur le côté. On voit qu'il y a Hazard, le double rond au deuxième. Parfait. Parfait le centre de Lionel du droit là. Allez, l'égalisation. Le plus dur reste à faire. Hein. Allez, juste avant la mi-temps, ça fait plaisir. Dans les stats, on est pas mal. Vous voyez, hein, l'IA, c'est 2 tirs cadrés, 1 but. Hein. On arrive à récupérer des bons ballons, là. Sans utiliser beaucoup carré. Hein. Très, très peu le carré. Vraiment, sinon, vous faites des infériorités numériques. Vous créez le déséquilibre dans votre défense. Ah, dommage, dommage, dommage. Là, j'utilise carré. Et avec Hazard, je vais essayer de me replacer dans le milieu. Là, pas carré, j'utilise rien. Voilà, c'était pas mal. Voilà, super. Allez, derrière, on va chercher loin. Voilà, tout de suite devant. Oh, il me l'enlève. C'était bien parti. Allez, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Il y a un... Il est tout seul au deuxième, on l'a vu.
Oh là 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 là, il fait un arrêt encore une fois énorme. Voilà, vous avez compris, je pense, la tactique, les amis. Hein. La tactique, je pense que ça va vous aider. J'espère du moins. Oui! Le but de Kylian, la tête, la déviation de la tête qui vient mourir. Qui vient mourir dans la lucarne. Regardez qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, et là, le gardien brésilien qui a fait des arrêts énormes n'est pas exempt de tout reproche. Là, les amis, si vous réussissez à mener, je vous conseille de garder la même tactique. C'est très, très risqué d'essayer de jouer défensif parce que... Ah, on a bien couvert. Parce que l'ordi, s'il veut vous marquer un but, il va vous le marquer. Allez, on rejoue avec le gardien. On n'hésite pas à perdre du temps, les mecs. Là, on est contre l'ordi. On est sans pitié. Et on va chercher les extérieurs. Voilà. On l'a vu à l'opposé. Voilà, c'est bien fait. L'appel manuel vers Messi. Ah, c'était bien couvert. C'était bien couvert. Et là, sur les côtés, on touche à rien. On fait attention à ce qu'il va faire à 1-2. Donc, on laisse son défenseur devant sans appuyer sur carré. Sinon, il va se jeter. Voilà, super. Oh là là, la faute. Ah, il va falloir qu'on fasse des changements. Parce que là, Kylian, il fait plus l'effort. On va mettre Sterling. On va mettre un MR à la place. Vous voyez, on va passer comme ça. Et on va mettre Nedved. Voilà, on va essayer de serrer un peu le jeu. Christian, il était parti. Et c'était bien couvert. C'est très dur, hein, les triangles sur l'ordi. C'est très, très dur. Oh lolo. On arrive bien. On arrive bien à le faire déjouer. Vous voyez que notre tactique, pour l'instant, sur les côtés, elle marche bien. Elle marche bien. Allez, 86e minute. On va chercher loin devant toujours pour éviter le pressing. Et on va écarter tout de suite. Voilà. Sur Nedved. Allez, Nedved qui... Allez, Nedved qui se rattrape bien. Allez, derrière. On va faire tourner tranquillement. Tranquillement. Là, on attend. Voilà. On laisse le temps s'égrener. Ouais, il vient pas trop chercher. Et normalement, ça devrait être sifflé. Allez, il y a même une petite faute. On va la tenter. On va tenter le knuckle shoot. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, il y a... une chance sur 1000 que ça rentre. Mais on va la tenter. On va la tenter, ouais. Presque. Bon bah voilà les amis, le défi légende est réussi. J'espère que pour vous ça va marcher. Et on va aller donc voir tout de suite ce qu'on peut paquer avec ça. Parce que attention, ne faites pas l'erreur d'aller paquer directement avec ce recruteur. Vous pouvez choisir la légende que vous voulez. Oui, c'est très important. Vous pouvez combiner. Vous pouvez avoir, par exemple, Vieira à 100%, etc. Il y a des combinaisons. À vous d'essayer de les trouver. Je vais aller vous faire voir ça tout de suite. Alors, vous allez dans Recruteur. Recruter un joueur. Emplacement 1. Et là, vous mettez joueur spécifique. Et vous voyez que, juste en dessous, là, on a beaucoup de légendes. On a, tout simplement, toutes les légendes. Toutes les légendes. Et par exemple, imaginons que je veuille cibler Vieira. Vieira, et ben c'est très simple. Vous pouvez l'avoir à 100%. On va se mettre ici. Alors, il va falloir payer, bien sûr. Hein. Simulation. Il va vous falloir un recruteur 5 étoiles. Et là, donc, vous allez dans style de jeu. Et vous allez chercher destructeur. Le destructeur, voilà. Et là, vous voyez déjà qu'il n'y a plus que 3 joueurs. Vieira, Cambiasso, Petit. Vous vous dites... Ouais, mais on n'est pas sûr d'avoir Vieira. Bah si, il reste un troisième emplacement. Et là, vous allez faire un truc qui est tout bête. C'est que vous allez acheter un recruteur tout simplement pied fort, pied droit. Pied fort, pied droit. Bim, Vieira à 100%. Ne me dites pas merci, ça fait plaisir. Pour les autres joueurs, je vous laisse essayer de chercher, de trouver. Regardez par rapport à leur pied. Regardez par rapport à leur nationalité. Regardez par rapport à leur style de jeu, etc. On va maintenant aller paquer les derniers Player of the Season. Et là, on est sur de la Young Star. Il y a du lourd, il y a du lourd. Ah, on a une Black Ball. On a une Black Ball niveau 1. Allez, on va l'envoyer. Fais-nous kiffer. On va voir ce qu'on va avoir, les amis. Petit pack comme ça.
de brûle pour point. Angleterre, ouais. J'aimerais bien un joueur que j'ai pas. Après, là, il va être niveau 1. Oh, ça sent le gardien, ça. Ouais, ouais, ça sent le gardien. Ça sent le petit Ederson. Ouais, Ederson, bon. Très, très bon gardien. Je l'ai déjà en boost. On va pouvoir le faire monter. Merci, Ederson. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Au revoir. Et donc, maintenant, on passe aux choses que vous attendez tous. Les Players of the Season, les amis. Dites-moi dans les commentaires, vous, qui vous avez eu les potes. Alors, je veux qui? Je veux qui? Je veux... Bah, Mbappé, je l'ai déjà. Rashford. Ouais. Rashford. Joao Félix, j'aimerais beaucoup. Keane, j'aimerais beaucoup. De Ligt, je l'ai déjà. Et après, le reste, je joue pas avec DMR. Mais on va dire qu'ils sont tous bons. Zaniolo, je vous avoue, c'est pas mon délire. Après, ouais, il y en a, ils vont me dire, mais il est très fort, la Juve le veut. Ouais, mais je m'en carre, en fait. Il me fait pas kiffer, il me fait pas rêver. Donc voilà, je vous dis la vérité, vous me connaissez les amis, on n'est pas là pour niaiser. Le dernier pack opening de l'année, c'est parti les mecs. C'est parti. Bon, si on a France, on va pas cracher dessus non plus, hein, mais bon. Angleterre, Rashford. Le petit Rashford qui est là. Merci mon Rashford, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Ah, ça, ça fait plaisir. La chatte à Dédé qui est parmi nous. Rashford qui va aller dans l'équipe en tant que remplaçant. Ouais, ouais, mon Rash, tu vas être remplaçant parce qu'à mon avis, avec ta vitesse, tu vas faire très mal. 96 de vitesse, 95 d'explosivité. Il a 4 de forme. J'avais pas regardé. J'avais pas regardé, maman. Ah ouais, ça, ça fait pas délirer vu qu'ils sont tous en C. Attends, on va regarder vite fait. Profil, profil, tac. Alors, 6 de forme Mbappé, c'est bien, 4 de forme, c'est de la merde, 2 Ligt moyen, 2 Young moyen, votre Zaniolo, bof, Keane bof, Joao Félix bof, Arthur très bien, 7 de forme, bon bah voilà, il monte à Keane, il monte à 97, regardez sur PSDB les amis, j'avais publié sur Twitter, je vous le mettrai peut-être là, ça va peut-être s'afficher au moment il monte. Ah, ah, De Jong, De Ligt, De Jong, De Ligt, De Jong plutôt. De Jong, De Ligt, je l'ai déjà. De Jong, si tu peux, De Jong, De Jong, De Jong, De Jong. Oui, je crois que c'est De Jong. Je crois que ça, c'est De Jong, ça. Ah, ça, c'est De Jong. Allez, ça fait plaisir. La pépite qui est partie au Barça. Merci, Friki. Merci, Friki. Friki qui a une belle carte. Qui a une belle carte, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Orchestrateur. Ouais, c'est bien. C'est bien pour AMR, c'est pas mal. Ça vaut pas Modric, mais c'est très bien. Allez, la dernière. Allez, fais-nous rêver. Mets-nous qui tu veux. Mets-nous qui tu veux. Un petit Arthur. Oh, le Kiki. Le Kiki qui est là. Bah oui, le Kiki, il est là. Ah, il veut venir. Ah, il veut venir. Il voulait venir, le Kiki. Il voulait venir. Le Kiki qui monte à 99. Et quand vous le replacez en attaquant, je crois qu'il a 101. Ouais, bah Kiki, c'est ça mon Kiki. Merci mon Kiki, ça fait plaisir. Bon, toujours des stats de port, hein. 98 vitesse explosivité. Que dire, hein, que dire. Il n'y a rien à dire, c'est énorme. Il est énorme, c'est pour moi le meilleur AD du jeu. AID du jeu, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est mon avis. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, c'était Luthor. Ciao les mecs.